La tricyclerie, c'est le compost, l'humain et l'entraide. La tricyclerie, du coup, c'est un projet que j'ai monté il y a 5 ans. Nous sommes sur Nantes et on fait la collecte des déchets organiques en vélo-remorque auprès des professionnels dans le but d'en faire du compost. Et donc ensuite, le compost est mis à disposition soit des maraîchers ou des jardins de particuliers. On s'inscrit dans une démarche écologique. Le tri des déchets, ça faisait forcément, c'était une obligation dans notre projet, j'ai envie de dire. Et donc ça passait par le partenariat avec la tricyclerie qui nous permettait d'aller plus loin dans la démarche zéro déchet. Sur Nantes, comme dans beaucoup de villes en France, il y avait très peu de solutions disponibles pour le compost. On a parfois des volumes qui font qu'on ne peut pas tout réutiliser dans la cuisine. Donc on est obligé de les jeter. Et plutôt que de les mettre à la poubelle et qu'ils finissent dans une usine d'incinération, on trouve ça plus intelligent qu'ils se décomposent, qu'ils retournent dans la terre, qu'ils permettent de produire d'autres légumes ou autre chose. En tout cas, c'est un cercle vertueux. Pour moi, d'être lauréat de la France Engage, c'est une réelle marque de reconnaissance du travail. C'est vraiment un travail de fourmi qu'on mène depuis 5 ans. Et c'est, je l'espère, une façon de pousser le projet avec les ambitions qu'on s'est données.